Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un jeu qui s'appelle la réussite. Pour cela, vous avez besoin de cartes. Alors, pour les petits, on prend des cartes 1, 2, 3, on peut aller jusqu'au 4. Pour les moyens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aller aussi au-delà si on le peut. Et pour les grands, on prend les cartes de 1 jusqu'à 10. Voilà, je vous montre comment on joue à ce jeu-là. Il est possible de le faire avec les cartes que vous avez. Je vous montre, les cartes sont alignées de 1 à 7 sur ma table. 1, qui est représenté par l'as. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai sorti avec moi les numéros pour comprendre comment ça fonctionne dans un premier temps. Après, évidemment, on enlèvera ce numéro. Je récupère mes cartes. On est d'accord? J'ai tous mes nombres de 1 à 7. Je les mélange correctement. Et puis, il va falloir que je les remette à l'envers. Voilà. Toutes mes cartes sont à l'envers. Et je vais choisir d'en piocher une. Je pioche cette carte. Cette carte est l'as, c'est-à-dire le 1. Donc, je vais la remettre à sa place initiale. Hop ! Et je récupère celle qui était à la place du 1. Je vous le montre. Cette carte, c'est le 6. Je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève la carte qui était à la place et je la récupère. Celle-ci, c'est le 4. 1, 2, 3, 4. Et je la prends. Je vous la montre. Ici, nous avons le 3. 1, 2, 3. Je continue. Celui-ci, vous le connaissez bien, c'est le 2. 1, 2. Regardez, je commence à bien retrouver la place de toutes mes cartes. Oh, celui-ci, vous voyez, il y a plus d'éléments. Je reconnais ce nom, c'est le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7. Il ne me reste plus qu'une carte à placer, c'est le 4, c'est le 5. Et je la mets ici. Voilà, première étape de fait avec les nombres. Deuxième étape, je la refais sans les nombres. Je reprends mes cartes. Je les mélange et je les remets à l'envers. On se dit bien 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 7. Attention, je choisis le 4. Cette 4, c'est le 4. 1, 2, 3, 4. Or, je prends cette 4 et je la mets ici. Je vous montre. Ici, nous avons le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez me dire, toutes les cartes ont leur place, mais non, on ne les a pas toutes retournées. Alors, je continue. Ici, j'ai le 3. 1, je compte bien le trou qui était là tout à l'heure. 2, 3. Je continue. Le 1. Je n'ai pas retourné encore toutes mes cartes, donc je continue. Le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus que deux cartes à placer. Le 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, nous savons quelle carte il nous reste. C'est le 2. Voilà. Il est possible pour les petits
d'utiliser ces cartes-là. 1, 2, 3, 4. Pour les moyens de rajouter le 5, le 6. Et pour ceux qui le peuvent et les grands, les cartes, attention, ma table est trop petite, jusqu'à 10. Voilà, vous pouvez reproduire ce jeu à la maison très facilement avec les jeux de cartes que vous avez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.